Salut à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, cours spécial fessier. On est parti, vous avez besoin d'un tapis, d'une chaise, d'un peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Et on y va. On commence par échauffement, petit squat, les pieds, écart, épaules, et on pousse bien les fesses vers l'arrière. On garde le dos droit, le sourire. Voilà, on fléchit bien. On maîtrise le mouvement et on pense à sa respiration. À garder la sangle abdominale serrée. Hop. Encore. Et on reste en bas. Des tout petits. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Sentez la contraction au niveau des fessiers. Ok, on redresse. Et on arrive en fente. Je descends et je remonte. Je stabilise. Faites attention à ce que vos deux pieds soient légèrement écartés de la largeur de vos hanches. Je descends bien le genou qui passe sous la hanche. Voilà. Donc évidemment, qui dit travail des fessiers dit qu'il y aura une implication aussi sur les jambes, mais on va essayer au maximum de centrer le travail sur les fessiers. Allez, encore 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bien. Nous allons cibler le grand fessier. On va emmener vers l'arrière et ramener vers l'avant. Et je tire. Hop. Les mains sur les hanches. Et mouvement de balancier. Quand j'emmène la jambe tendue vers l'arrière, je sens la contraction de mon fessier. Hop. Et je ramène. Hop. Et je ramène. Hop. Allez, des tout petits derrière. Et on revient. Deux pulses. Et on revient. Un, deux. Et on revient. Encore. Un, deux. Et on revient. Un, deux. Et on revient. Bien, restez en appui. Et éloignez sur le côté. Ici. Tac. Et je reviens. Cette fois-ci, on cible le petit et moyen fessier. Voilà. Toujours en équilibre sur l'autre jambe, en essayant si possible de ne pas reposer le pied au sol. Et on rajoute les petits pulls sur le côté. Et on revient. Encore. Alors ces exercices, je vous les montre sans matériel, sans élastique, puisque pour la plupart des gens, vous n'avez pas d'élastique chez vous. Mais si vous avez un élastique chez vous, vous pouvez rajouter un élastique que vous accrochez au niveau des pieds. Pour en rajouter, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, et c'est parti. Balancier d'avant en arrière. Dans un premier temps, simple. On sent la contraction du grand fessier. Hop, la partie bombée du fessier. On maintient le dos droit, les abdos serrés. On fait attention de ne pas tirer sur le bas du dos quand on emmène le talon vers l'arrière. On pense à rester grandi. Et on rajoute le petit pulse. Encore. 1, 2, et on ramène. 1, 2, et on ramène. Et on se place de face. Et on éloigne en abduction et on ramène. Hop, on ouvre et on ramène. On fait attention à ce que le genou et la pointe de pied restent de face. On essaye de maintenir l'équilibre, les épaules redressées, les abdos serrés. Hop. On doit sentir à commencer les fessiers qui chauffent. Et on rajoute les petits pulses. 1, 2, et on ramène. Encore. 1, 2, et on ramène. 1, 2, on ramène. Encore 3. 1, 2, et on ramène. 2, 1, 2, et on ramène. 1, 2, et on ramène. Dernier. Ok. Bien. Là, on a bien senti les fessiers sur la fin qui chauffaient. Donc, on est prêt à partir. Les pieds bien écartés. Dans un premier temps, on va faire une association de deux exercices, fente et squat. Squat bien ouvert, pointe de pied vers l'extérieur. On garde le dos droit, on pousse les fesses vers l'arrière et on remonte. On inspire et on souffle, on monte. Allez, encore vite. 7, 6, 5, 4,
et on contracte bien les fessiers, on bascule le bassin quand on revient vers l'avant. 2, 1, des tout petits en bas. Voilà, ici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bascule sans déplier les jambes. Voilà, je me mets de face, ça donne ça. Et des tout petits. Voilà, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Donc, normalement, vous devez aussi sentir les jambes, les fessiers, vous inquiétez pas, ils travaillent bien. Et on va rajouter le mouvement en entier. Et on descend. Hop, et on redescend. Ah, et encore 6, 5. On bascule à nouveau, on est en squat ouvert et on descend et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, plus que 1, et on reste en bas. Allez, des tout petits. Allez, 10, 9, 8. 7. Poussez bien les pieds dans le sol, comme si vous cherchiez à écarter les pieds, mais les pieds restent fixes, ancrés dans le sol. Là, vous allez sentir un peu plus les fessiers. Voilà, hop, comme si vous vouliez écarter, mais ça vous retient. Ok, on bascule de l'autre côté, des tout petits. Allez, encore, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et le mouvement en entier. Hop, et on redescend. Allez, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on rajoute une extension vers l'arrière. Et 1, et on repose. Et 2, et on repose. 3, vous voyez, là, j'allonge ma jambe à l'arrière, je fais attention de ne pas trop creuser, et ici, tac, je repose le pied, je fléchis bien. Allez, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et extension latérale, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je me décale un tout petit peu, j'ai mon tapis qui me gêne et je vais venir croiser. Je croise, je vais chercher un petit peu plus loin. Hop, vous voyez mon pied devant, le pied derrière, je fléchis et j'éloigne. Et 1, 2, allez, abduction, et je fléchis en croisée, abduction, fente croisée, hop, hop, encore 5, 6, hop, plus que 2, travaillez sur l'équilibre en même temps, et on reste ici, et tout petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Vous sentez bien le fessier? Ok, on fait la même chose de l'autre côté. On se met en position, on fléchit, on descend bien, le dos droit, et on pousse la jambe vers l'arrière en même temps qu'on essaie d'allonger la colonne vertébrale. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous rappelez? Allez, on ouvre sur le côté et on repose. Hop, et on repose. On pousse la jambe sur le côté et on repose. Allez, et 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va croiser directement ici. On descend. C'est bon pour vous? Allez, et à nouveau. 1, 2, restez bien de face. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on reste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On marche en place. Et on se place ici, sur le dos. On va poser les pieds sur la chaise. Les talons. On pose la tête. Et on est parti. On monte le bassin en serrant les abdos. Allez, à nouveau. Sans reposer les fesses. Serrez les abdos. Maintenez les abdos serrés. Si ça tire trop derrière les cuisses, rapprochez un peu les fesses de votre chaise. Et à nouveau, hop, et on redescend. Hop, allez, encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on reste en haut. On décolle une jambe et on fait la même chose. Et 1, 2, 3, reposez les fesses au sol si ça devient trop dur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reposez le pied sans poser les fesses, on change de jambe et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. Restez bien centré au niveau de vos abdominaux. 6, 7, 8, 9, 10. Reposez les pieds. Les pieds toujours largeur hanche. Et on est reparti avec les deux pieds posés sur la chaise. Et on monte. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on rajoute des doubles pulses en haut. Et 1, 2, et je redescends. Et 1, 2, et je redescends. 1, 2, et on redescend. Encore. 1, 2, et on redescend. 1, 2, rentrez bien de nombril. 1, 2, dernier. 1, 2, ok. Bien. On peut pousser la chaise. On se positionne sur le côté. On soutient la tête. Jambes inférieures fléchies. Jambes ici tendues. Et dans un premier temps, je monte et je descends. Alors, si c'est désagréable au niveau de la nuque, ici, au niveau de la colonne vertébrale, n'hésitez pas à poser votre tête sur votre bras. Bien, ce mouvement simple d'adduction, d'ouverture, pour travailler petit, moyen, fessier, on va le compliquer en ayant une ouverture lente et on redescend tout en contrôle. J'ouvre en contrôlant mon mouvement, la pointe de pied toujours vers l'avant, pas la pointe de pied vers le plafond, hop, vers l'avant. Et on descend en trois temps. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore 1, 2, 3, et on redescend 1, 2, 3, encore 1, 2, 3, et on redescend 1, 2, 3, voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous avez un élastique, vous pouvez l'utiliser, et bien c'est sur ce genre d'exercice que vous pouvez utiliser votre élastique. Ça rajoute en difficulté et en renforcement musculaire pour vos fessiers. Allez, on reste en haut, des tout petits, et 10, 9, 8, 7, 6,
5, en haut, encore 2, 1, on ramène vers l'avant et on pousse vers le plafond, vers l'avant, les deux cuisses sont l'une au-dessus de l'autre et on pousse vers le plafond, la pointe de pied au sol et on remonte, encore, hop, utilisez vos abdos pour monter, hop, encore, hop, allez en contrôle, 1, 2, 3 et on redescend en freinant. Hop, vous sentirez que c'est beaucoup plus difficile si on freine la descente plutôt que si on laisse le pied chuter sur le sol. Hop, attention à ne pas trop vous voûter dans le dos. Hein. Donc, on ramène la poitrine vers l'avant, on ressort la tête. Allez, ça doit commencer à chauffer. Donc, on reste à mi-chemin ici, parallèle au sol et les tout petits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien. Ce qu'on a fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Laissez le temps à vos muscles de récupérer. Voilà, jambe fléchie, celle qui vient de travailler, elle est fléchie au sol. Je pose ma tête sur mon bras ou la tête posée sur ma main. Ici, pied parallèle au sol, pied flex, je monte et je redescends. Je monte et je redescends. Si vous êtes bien avec la pointe de pied vers l'avant, vous sentez que vous êtes limité dans l'ouverture de votre hanche. Si vous orientez vers le ciel, vous ne travaillez plus le fessier. Donc c'est pour ça qu'il faut garder la pointe de pied vers l'avant. Allez, et on monte et on contrôle la descente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore, 3, 1, 2, 3, serrez les abdos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toujours la jambe dans l'alignement du haut du corps, 1, 2, 3, allez, en rythme avec la musique, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on reste en haut, allez, tout petit, tout petit, tout petit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on ramène vers l'avant et on monte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, plus dans le contrôle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pointe de pied orientée vers le sol. 3, 1, 2 et 3, encore, 2 et 3, 2 et 3, encore, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, encore, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, je souffre avec vous, allez encore, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, encore, 1, 2, 3, 1, 2, 3, allez, 1, 2, 3, et en descendant, on reste parallèle au sol, des tout petits, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, montez, montez, allez, hop, 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 on lâche, ok, avant de repartir, on pousse les fesses vers l'arrière, on allonge les bras vers l'avant, on récupère quelques secondes, avant de venir en appui sur les coudes et sur les genoux, venir travailler à nouveau les grands fessiers, allez, on revient vers l'avant, on positionne les avant-bras, les coudes sous les épaules, les genoux sous les hanches, on ne relâche pas le dos en serrant le ventre, on garde le nombril proche de la colonne vertébrale et on prend la place de déplier la jambe à l'arrière. Le mouvement, je déplie et je monte dans un second temps. Ça ne doit pas tirer sur le dos, sur les lombaires, quand vous montez. Allez, et on déplie. Encore. Voilà, et je sens la contraction du fessier. Une fois que j'ai déplié, que je monte. Allez, encore 4. 3. 2. 1. Et je reste tendu derrière. La jambe dans l'alignement de mon dos. Et des tout petits. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9,
10, je vais croiser de l'autre côté de la jambe d'appui et je reviens de l'autre côté. Allez, je croise et je vais chercher de l'autre côté sans aller chercher entièrement le sol. Hop, encore. Et je vais chercher à l'inverse. Encore. Et à l'inverse. Et on croise. Encore. Allez, il en reste 4. Plus que 3. Plus que 2. Plus que 1. Ok. Ici, on ramène genoux sous les hanches. On est toujours sur le travail de la même jambe et on va venir ouvrir sur le côté. Donc, pour aller chercher plus loin et être plus à l'aise, on va poser sa main à plat sur le sol du côté où on travaille. On travaille toujours du même côté avec la même jambe. Et j'ouvre et je referme. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste ici et je déplie la jambe et je ramène. Et 1, 2, 3, 4, 5. Les abdos toujours serrés. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je descends et je monte. Et 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6. Serrez les abdos. 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Allez, on récupère quelques secondes avant de passer de l'autre côté et faire la même chose. Je rappelle pour la position, les coudes positionnés sous les épaules. Vous êtes prêts? On est reparti. Ok, toujours le ventre serré, le dos bien droit, on évite de voûter. Et on est reparti. Et je souffle, j'allonge et je ramène. Allez, et 2, 3, 4. Déplier, allonger, monter. Déplier, allonger, monter. Déplier, monter. Encore. Encore 3, 2, 1. Et on garde la jambe tendue, des tout petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais chercher le sol. Alors là, moi, j'ai le mur qui me gêne, donc je vais me positionner. Un peu différemment. Voilà. Allez. Et je vais chercher en croisée. Et de l'autre côté, sans poser la pointe de pied au sol. D'un côté et de l'autre, je dessine un grand arc de cercle avec ma pointe de pied. Le mouvement part bien depuis ma hanche jusqu'à la pointe de pied. Allez, encore 5. 4. 3. 2. Et 0. On repose genou au sol, on place la main du côté où on travaille, à plat sur le sol, l'autre coude toujours au sol, et j'ouvre et je referme. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste en haut et je déplie. Et 1, 2, le genou reste fixe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, courage, 10, et on descend et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Ouh, ça pique. Ok, on récupère quelques secondes. Allongé vers avant. On récupère. Bien, on se remet debout. On
le tapis. On pousse la chaise. Et on va refaire des mouvements en entier en étant debout. Allez, on descend et on remonte. On descend et on remonte. Voilà. On va finir cette séance en faisant ce mouvement de squat. En entier. Allez, de profil. Hein. On pousse bien les fesses vers l'arrière. On garde le dos droit. Allez, on monte à genoux. Et on repose. De l'autre côté. Et on repose. Hop. Et on repose. Hop. Et on repose. Encore. Hop là. Allez, on pousse le pied devant. Et on repose. Le pied devant. On se grandit. Allez, essayez de bien décoller le pied en même temps que vous poussez sur l'autre jambe. Ok, on pousse sur le côté. Hop, et on alterne droite et gauche avec mouvement d'abduction. Ça travaille bien également le cardio. Malgré ce qu'on pourrait croire, c'est pas si statique que ça. Allez, courage, c'est les derniers. Dernière répétition, dernier mouvement avant de venir étirer les fessiers. Dernier, ici on reste en bas, les tout petits, tout petits. Toujours les mêmes consignes que tout à l'heure. Essayez de pousser les pieds vers l'extérieur et vous sentirez d'autant plus le travail au niveau des fessiers. Voilà, hop, je pousse mes pieds vers l'extérieur sans que les genoux rentrent à l'intérieur. Hein. Les genoux restent fixes dans l'alignement. Voilà, encore, 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 et on relâche. Bravo, vous avez été jusqu'au bout. Maintenant, on se place sur notre tapis. Prenez le temps de boire un coup. On s'assoit sur notre tapis. Dans un premier temps, on va ramener notre talon vers notre fesse en ayant le dos bien droit. Imaginez que vous êtes posé contre le mur, le dos est bien droit. Je ramène le genou vers la poitrine et je maintiens cette position 20 secondes. On passe le pied de l'autre côté de la cheville. On attrape notre genou droit, si c'est le genou droit, avec l'avant-bras gauche et je pose la main droite derrière. Je tire bien le genou vers ma poitrine et je pivote pour regarder vers l'arrière. Secondes également avant de faire la même chose de l'autre côté. Je ramène le talon vers la fesse, le dos bien droit. On essaye de maintenir sa propre cambreur. Voilà, je force mon genou à venir vers ma poitrine. Allez, on respire bien. Et au bout de 20 secondes, on passe le pied également de l'autre côté de la cuisse. Le genou, on place la main derrière qui nous aide à nous redresser et je pivote autour de la taille. Et au bout de 20 secondes, on relâche. Dernier étirement, car c'est important de bien étirer après cette séance. On va avancer un genou. Donc là, j'avance mon genou gauche et je décale mon pied gauche vers la droite pour former pratiquement un angle droit. Alors, tout cela dépend aussi de votre mobilité au niveau de votre genou. Ensuite, vous venez vous asseoir sur votre cuisse et votre fesse. L'angle de la jambe est toujours ouvert, l'autre jambe n'est pas totalement tendue derrière. On se tourne bien vers notre cuisse, les mains positionnées au sol. Je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale et je viens fléchir
vers l'avant. Vous devez sentir l'étirement au niveau de votre moyen fessier. Donc le moyen fessier correspond à la partie latérale de votre fessier. Vous maintenez une vingtaine de secondes cette position avant de faire la même chose avec l'autre jambe. Donc cette fois-ci, on avance le genou droit, on décale le pied droit vers la gauche du tapis, on forme un angle droit en s'asseyant sur la fesse et sur la cuisse, on positionne bien les mains au sol, notre jambe est fléchie, légèrement fléchie derrière, et on emmène la poitrine au-delà de notre genou. Voilà, on va chercher loin devant en gardant la poitrine haute. Ok, on relâche. Bravo à tout le monde. Bravo à tous ceux qui ont fait cette séance. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Et si ça vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à prendre contact avec moi si vous avez besoin de cours particuliers que je peux vous proposer en visio. Bonne journée, au revoir.